Bonjour le réseau, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer en détail comment passer d'une bonbonne à l'autre une fois que celle-ci est terminée. Donc c'est une manipulation qui est très simple, il suffit de vous munir d'une petite clé à molette et d'un petit récipient pour évacuer la colle et le gaz qui restera à l'intérieur du tuyau. Donc pour ceci, c'est très simple, vous fermez la bonbonne qui est terminée et vous serrez bien fort jusqu'à ce que ça bloque. Voilà, ensuite ce qui vous reste à faire, c'est purger votre pistolet. Donc dans un petit récipient, moi j'ai un petit récipient comme ceci. Vous pouvez très bien aussi réaliser du collage si vous avez du collage à faire. Donc vous faites cracher en ouvrant à fond la molette jusqu'à ce que plus de colle ni de gaz sortent. Donc là on voit, il y en a encore pas mal. On entend bien le gaz. On n'entend plus que le gaz qui sort, c'est bientôt terminé. Vous pouvez maintenant débrancher le flexible au niveau de la bonbonne qui est fini à l'aide de la clé à molette. Et le rebrancher sur la nouvelle. Donc voilà, ne pas hésiter à serrer fort à l'aide de la clé à molette. C'est un joint conique, il n'y a pas de risque. Voilà, une fois que vous avez serré, vous rouvrez votre bonbonne bien jusqu'au bout. Une fois que vous avez ouvert, bien faire attention de ne jamais refermer le petit robinet. Si vous refermez, ce qui va se passer, c'est que de l'air va rentrer au niveau de votre petite buse. Et vous allez boucher votre tuyau, donc toujours laisser la bonbonne sous pression. Donc voilà, maintenant vous êtes prêt pour réaliser vos nouveaux collages instantanément. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.